Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler d'un homme assez extraordinaire. Certains l'aiment et certains ne l'aiment pas. Mais il s'agit du prince Philippe, le mari de la reine Élisabeth d'Angleterre, le père de Charles et le grand-père du prince Harry et du prince William. Le prince Philippe qui vient d'être en fait admis dans un hôpital suite à des malaises inquiète aussi le peuple anglais qu'il a toujours dans son cœur, même s'il y a certains qui ne l'apprécient pas pour son franc-parler et pour ses petites gaffes qu'il aurait faites. Donc on nous dit en fait que son admission à l'hôpital n'a rien à voir avec le corona, qu'en fait il a été admis parce qu'il ne se sentait pas bien. On n'a pas plus de détails par rapport à ça. On ne sait pas en fait de quoi il peut s'agir et les spéculations vont bon train. Il faut rappeler quand même que le prince Philippe a 99 ans. 99 ans, c'est beaucoup et c'est quelqu'un qui, malgré la faiblesse et malgré les petits pépins de santé qu'il a eus ces dernières années, est toujours aussi vivant. La preuve, on l'a vu rentrer à l'hôpital tout seul, sans être poussé sur une chaise ou assisté par quiconque. Et on dit que c'est un battant et c'est quelqu'un dont l'état de santé n'est pas critique. Donc alors, pourquoi est-il rentré à l'hôpital? C'est juste au cas où, comme on dit, au cas où, afin de monitorer son état de santé. Le prince qui d'ailleurs va fêter son anniversaire très prochainement, il fêtera ses 100 ans. On parle d'un siècle, c'est incroyable. On espère qu'il sera toujours vivant. Les Anglais espèrent toujours l'avoir auprès d'eux afin de célébrer cet événement-là. Certains disent qu'ils ne souhaiteraient pas qu'on en fasse de trop, qu'ils voudraient juste un petit mot de la reine et pas de festivités du tout. Donc on appelle déjà tous les membres de sa famille à s'entendre pour ce moment important et ils appellent le prince Harry à retourner en Angleterre afin de voir son frère et se réconcilier avec celui-ci après leur petite dispute et son départ pour les États-Unis. Il faudrait préciser qu'il n'est pas sûr que le prince Harry puisse venir parce qu'il y a encore le confinement en Angleterre et si la situation ne s'améliore pas, il y a des chances qu'il ne puisse pas revenir car sa femme d'ici là aura accouché ou sera sur le point d'accoucher. On parle bien sûr de Meghan Markle. Voilà, en tout cas tout. Toutes nos pensées vont pour le prince, hein, qu'il se rétablisse bien, peu importe si vous l'aimez ou vous l'aimez pas. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.